Bonne soupe la gang. Aujourd'hui on est lundi matin, je me suis levé à peu près 7h, puis là il est comme... Non, je me suis fait à peu près à 6h, puis là il est comme 7h. Fait que là, faut que je parte dans à peu près 20 minutes, puis là, je me prépare, je prends ça, ben je prends un relax, mais pas vraiment, parce que je me prépare, puis c'est ça. Parce que je m'en vais à l'école le matin, si jamais vous avez pas catché. Ah oui, parce que dans le fond, à cette heure, j'ai l'école le lundi, pour comme rajouter des heures à mon stage, là, puis là, il y en a, je pense, qui... J'ai reçu un commentaire comme ça, qu'il y en avait qui comprenaient comme pas trop ma fin de session, mais dans le fond... comme vous le savez, j'avais commencé. En fait, moi, j'étudie en commercialisation de la mode. Là, j'étais à ma troisième année, donc je suis à la fin de ma technique. Dans le fond, à la dernière session, on a un projet de fin d'études qui est comme top person business de A à Z. Donc, ça occupe comme la moitié de ta session. Puis l'autre moitié, c'est un stage. Puis moi, en fait, je suis coordonnateur d'événements avec le séminaire. On est comme 5 qui fait ça, 5 ou 6, je sais comme plus trop, de ma cohorte qui fait ça. Puis on organise un événement mode. Alors voilà. Fait que là, je vais partir pour l'école. Comme vous savez, j'ai commencé à écouter comme des podcasts dans l'auto. Puis là, celui que j'ai écouté ce matin, mon chat fait normalement un drôle de bruit. Ça va être lui en privé, s'il vous plaît, avec... il avait invité Marianne Plaisance, là, des filles de Deuxième Pot. Puis sur l'anxiété de performance. Puis moi, l'anxiété, c'est tout ça, là. Sinon, la pression de performance. Puis moi, ça m'en gêne beaucoup parce que je me mets également vraiment beaucoup de pression sur ma performance, surtout sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment pas bon, mais... que je voulais, je fais de même, fait que je vais écouter ça. Salut Marianne, ça va bien? Allô, ça va bien? Je viens d'arriver à l'école, j'ai appelé Jules voir si... Et pourquoi je suis arrivé? Parce que si oui, je vais l'attendre au parking. Nice. Fait que là, je suis encore bien une mère, Miro 08. Yo! Oh, je m'en vais la reporter chez eux, parce que, évidemment, pas de char, elle encore. J'ai mon permis, ans, mais pas de char. Pas de char, elle vient d'avoir son permis. Moi. Je viens de revenir chez moi, puis là, je m'en vais filmer un petit TikTok. Là. Je me suis remis un TikTok, là, fait que si jamais ça vous tente d'aller me suivre, faire un petit TikTok. Petit TikTok, un petit peu comme. Un peu humoristique sur ce son-là. Là. What the fuck? I think I finally had enough. Putain! Tété, il adore ça, mais dans le dos. On va-tu manger? On va aller manger. Putain, manger. Au menu ce midi, ça va être ma salade de pâtes que j'ai faite pour, je suis un petit peu zoomé, hein, mais pour ma vidéo de Emma Chamberlain. D'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vue, vous allez vraiment aller la voir parce que c'est probablement une des vidéos, ou pour ne pas dire la vidéo auquel j'ai travaillé le plus fort pour ma chaîne. Là. La vidéo en tout que j'ai travaillé le plus, c'est elle de Chloé, mettons, là, pour son 1 an de YouTube, mais c'est... Ça c'était pas à mes fins personnelles, mais sinon je pense que c'est pas mal celle-là. Fait que si jamais vous l'avez pas vu, vous allez vraiment la voir. J'ai aucune idée si elle va avoir performé, si vous allez l'avoir aimé. En tout cas, ça c'est pas vraiment ma phrase, mais parce qu'elle est pas encore postée, je vais la poster demain. Alors je filme cette vidéo-là, mais c'est ça. Dans ma salade de pâtes, je mets toujours cette sauce-là, la sauce italienne de chez Kraft, mais j'en rajoute tout le temps parce que j'ai l'impression que je sais pas si c'est les pâtes qui l'absorbent ou quoi que ce soit. Là, fait que on en met comme pas beaucoup avant, mettons, en la faisant, mais. Après ça, quand on la mange, genre individuellement, on la remet tout le temps parce que c'est bien meilleur. La crème glacée du jour, c'est double bleuet. J'adore ça. En fait, j'aime pas mal toutes les sortes de crème glacée. À part, je pense, chocolat, c'est une que j'aime pas. Moi, toutes les sortes qui sont toutes très chocolatées, très sucrées, là, mettons, pâte à biscuits ou comme... je sais pas, le caramel, c'est moins mon vibe. Une fois t'en entends, ok, mais sur une base quotidienne, j'aime mieux ça. Puis c'est ça. Puis cet été, lui adore toutes les sortes de crème glacée. Ah, oh, Théo! Je l'aime. Ah, il reste plus beaucoup de trucs. Joli. Oh, satisfaisant, je vais. Ok, bon, fait que là, moi, je me suis changé, j'ai mis un t-shirt bleu parce que là, je m'en vais filmer un TikTok. Je vais vous montrer un petit peu mon petit setup, puis parce que j'ai comme filmé le long TikTok tantôt comme vous avez vu, puis c'est comme le même, j'avais comme le même t-shirt, puis je voulais comme pas avoir le même t-shirt dans deux TikTok différents. Fait que voici mon petit setup pour mon TikTok. Fait que ça va être comme le background qu'on va voir, on voit pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai mis mon ring light pour un meilleur lightning, fait que j'ai comme repris goût à TikTok. On dirait que ça vient comme par passe. Il y a des semaines où est-ce que je me tente pas de filmer TikTok, il y a des semaines où est-ce que ça me tente, là. Il y a comme eu quand même
un bon moment où est-ce que ça me tentait juste pas là, tu sais, j'avais comme fait également une vidéo là-dessus où est-ce que je trouvais que TikTok c'était kind of genre toxique là, puis là j'utilise souvent ça le kind of, puis là il y a une fille qui commence à voir mes vidéos là, je te salue by the way, elle dit que je dis ça vraiment souvent kind of, mais je dis ça vraiment souvent dans la vie de tous les jours, par contre je vais filmer ça le petit TikTok, ça reste d'être assez long, alors je vais pas vous le mettre là, vous irez me suivre puis vous irez voir ça. Puis quand je crée du contenu, moi j'écoute tout le temps des séries ou ben genre podcast ou YouTube, souvent YouTube là, fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu moins long puis c'est un petit peu moins plate, même si genre j'adore ça, mais comme vous comprenez. Ok, on vient de finir le filming de TikTok, ça a été moins long que je pensais, j'ai pas encore édité, je pense que ça va être ça la partie la plombe. On s'entend pour dire que c'est clairement pas aussi long qu'éditer un vlog sur YouTube ou une vidéo YouTube, hein, c'est même pas comparatif. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ça me fait chier des fois que TikTok soit aussi populaire. C'est le nombre d'heures mis versus YouTube, bref. Hein? Est-ce que tu venais prendre une petite marche? Oh, veux-tu prendre une petite marche? Vas-tu prendre une petite marche, Théo? Oh oui, tu t'assis, t'es gentil. Oh. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, hein, Théo, prendre une petite marche. Colline! Ok! Oh, attends, Théo, là. Je vous avouerai qu'une des raisons pourquoi je prends une marche, c'est pour créer du contenu dans le vlog. Malaise vient pick-up. Fait que c'est pour créer du contenu dans le vlog, parce que je trouve que mon vlog jusqu'à présent, il se passe absolument rien, puis je trouve ça fucking boring. Fait qu'on va aller, on va de quel bord? On va aller par là. Bon, ben là, je me suis dirigé vers un chemin de terre complètement. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu gêné d'aller comme dans le village, même si on n'est vraiment pas beaucoup dans le village. Justement, tout le monde me connaît, fait que... Kind of, encore. Malaisant de vlogger. Là, je pense qu'il y a beaucoup de vent, fait que je sais pas trop à quel point vous m'entendez. Et on peut y aller. Oh, il est fatiguant, la gang. Il est temps, Théo. T'es-tu fatigué? Peut-être qu'il est pas fatigué demain. Je pense qu'il est brûlé. Je pense qu'il est brûlé bien raide. Fait qu'on va retourner à la maison, Théo. Je vous présente Théo Routier, un chien très brûlé de la vie. Parce qu'il vient d'aller prendre une marche. C'est vraiment pas facile d'être un chien. Très brûlant, j'ai une job à temps plein. Bon la gang, fait que j'ai vraiment l'impression que ça va être une journée de création de contenu aujourd'hui. Parce que là, je m'en vais filmer mon troisième TikTok de la journée. J'aime tout le temps d'avoir en banque, là. Je regarde des fois des vidéos comme qui parlent de TikTok justement. Là, je sais que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez. Qui parlent en fait un petit peu de comment percer sur TikTok. Puis hey, des fois, là, ils disent de mettre à peu près 5 TikTok par jour. Mais moi, je suis désolé, là, mais moi, j'ai pas d'inspiration pour créer 5 TikTok par jour. Fait que là, il y en a un avec une trend. Des fois, je fais des vlogs là, sur TikTok. Là. Les gens sont pas tout en fin là, entre des vlogs. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'avais comme arrêté. Mais je vais en reposter un soir que j'avais fait il y a quelques jours. Puis sinon, je fais comme des trends un petit peu. Là. Fait que rien de bien compliqué. J'ai l'impression que si jamais il y en a des, comme, des plus vieux qui m'écoutent, mais peut-être qu'il y en a qui vont trouver que c'est pas tant intéressant TikTok. On va dire comme, mais moi, en tout cas, c'est ma vie. Fait que je vous vlog bien ma vie. Fait que ça va être ça. Puis là, je me demande pas, mes voisins me voient faire un TikTok là. Un peu malaisant. On voit pas vraiment hein, à cause de l'éclairage. Ok, on a peut-être quelque chose. On va essayer. On va aller en dedans puis on va checker. On mange du spaghetti, Théo. Mangez, mangez. Je vais vous montrer YouTube. Salut. Je voulais vous montrer dans le vlog. Petit merde. Et tu sais, 1297 Instagram. Il se passe tellement bon. C'est une bataille. Malaise. Petit moment de Étienne dans le vlog. Là, je voudrais peut-être aller faire un TikTok d'or parce que je l'ai pas fait finalement à mon TikTok tantôt. Là, ça a comme pas marché. Je comprends. Je suis quand même assez mineur là-dedans. Là, fait que je connais pas tous les tricks. Puis en tout cas, ma tune, puis mon effet, ça marchait pas. Là. Fait que j'ai assez comment faire, mais j'aimerais ça qu'il y a le Golden Hour tantôt, mais j'ai pas l'impression qu'il va l'avoir. Fait que je sais pas si je vais tout de suite ou j'attends, je pense que j'attends un peu. Aïe, bon. Là, je dirais pas que c'est le Golden Hour à 100%, mais kind of. Là, j'essaie juste de savoir c'est quoi mon effet. Je vais essayer de trouver c'est quoi l'effet.
Je me souviens pas. Oh, c'est celui-ci, le stop motion. Puis j'ai ma petite boule de poils là qui m'accompagne. Calice. Ça va tout se couiner. Bon, journée de création de contenu done. Ben, journée de création de contenu. Pas vraiment une journée de création de contenu, mais les TikTok sont vraiment done pour la soirée, pour vrai là. Je vais appeler ma mamie pour lui demander si jamais elle veut que j'aille dîner chez eux demain parce que je travaille, mais elle est occupée. Alors, on va la rappeler plus tard. Vous êtes présentement sur mon iPad. Je vais appeler ma mamie là, pour pas l'oublier. Pour lui demander si je peux aller dîner chez eux demain. Allô? Allô, mamie? Oui? Oui, c'est Kevin, ça va bien? C'est bon, fait qu'on va demain. À demain, bye. C'est bon, bye. My mom always goes big. Bye. Je suis parti la gang, c'est un matin de travail. Je n'ai pas vraiment vlogué ce matin parce que... Ben comme à tous les matins, je suis un petit peu en retard, là, je l'étais pas. Je vais être bien correct, je vais arriver correct à la job. Mais si jamais j'aurais pris le temps de filmer, faire des plans, j'aurais probablement arrivé en retard. Je viens d'aller au travail et à mon grand étonnement, je ne suis pas en retard ce matin. Mais là, faut commencer à mettre ça, là. Des protège-lunettes, je sais qu'il y a dans d'autres commerces, ils le mettaient, mais nous, on les mettait pas encore, en tout cas. Mais là, faut les mettre... Oh my god. Je déteste mettre ça là. Je trouve qu'on fait tellement dur avec ça là. Fait qu'en tout cas, faut bien mettre ça. On n'a pas le choix. COVID-19 is there. Fait que là, je suis dans mon char. J'ai fini mon chiffre le matin. Là, il faut vraiment que j'aille mettre du gaz parce que je pensais pas pouvoir me rendre chez ma grand-mère là. Regardez ça. RIP! Un autre accueil, merci. C'est moi qui ai rendu cher le gaz. Ça m'a coûté 50$, 49,50$. Ça m'a jamais coûté ça. Jamais. Tellement, je dis, ça me coûtait à peu près 40$ faire du gaz. Faire le plein. Bon, ça fait que j'ai énervé chez ma mamie. Alors. Bon matin, j'ai pas vraiment beaucoup vlogué hier après ma job. Je pensais pas que je vous ai vlogué. Je pense que la dernière fois que je vous ai vlogué hier, c'est comme après mon dîner. Mais là, on est le lendemain. Là, moi, je travaille à midi. Aujourd'hui, là, il est 10h. Puis là, je suis en train d'écouter un vlog de Chloé. Puis je suis en train aussi de manger une brioche à la cannelle. Fait que voilà, je prends ça assez relax ce matin. J'ai travaillé un petit peu pour l'événement Outloud. J'ai créé des publications. En fait, une publication. Puis j'ai rempli mon journal de bord de stage. Puis c'est pas mal ça. Fait que je prends ça tout le temps assez mollo. Quand je travaille le matin, quand je travaille, disons, à midi, là, je fais le chiffre de midi 9. Puis ben, c'est pas mal ça. Just have to say this. No, you doubt the way you move. Lost in your fragrance. Still makes me anxious. Doesn't feel right. Je pars pour le travail. Fait que, comme je l'ai dit, je serai de midi à 1. Fait que là, je vais partir. Là, ma batterie de caméra flash. Fait que si jamais je vous revlogue, mon Dieu. Ben, je pense pas vraiment vous revloguer vu que je vais être à job, évidemment, mais. Ça va peut-être être avec mon ciel étant donné que ma batterie a flash. Oh my god, la neige. Checkez-moi ça, la gang, la neige. Oh my god. Fait que là, faut quand même que je me dépêche. What the fuck, mon char, il est même pas parti. Bye, Michel. Hein? Ouais. Oh my god. Il fait vraiment pas beau dehors, genre, c'est cave, là. En tout cas, je vais peut-être faire ça chez nous. Il est 10, puis en tout cas, faut que je parte. Ok, je suis sain sauf chez moi. Oh my god, la gang. J'ai fessé un lièvre. J'ai tué un fucking lièvre. Je me sens tellement mal. Les chemins étaient dégueulasses, honnêtement, là. Genre, vraiment pas beau. Moi, genre, comme mes tailles du verre, puis une chance. Puis, je me dépêchais parce que là, ma batterie à flash, mais j'avais comme un lièvre qui a comme traversé la rue. Puis, j'ai comme voulu freiner, j'ai freiné, mais ça l'a juste pas. Freiné, tellement que les chemins étaient glissants, fait que j'ai rentré dedans, paf! Je me sens fucking mal. Il y en a petits qui vont être genre, ouais, mais on s'en fout, c'est juste un lièvre. Ou il y en a petits qui vont être genre, oh my god! Mais moi, je suis comme, je me sens mal. Fait qu'en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais aller me laver. Bon matin, gang. Bon, fait que là, vous savez que je suis un petit peu en retard. Je me suis levé vraiment en retard. Je mets tout le temps mon alarme, parce que là, j'ai l'école le jeudi matin, comme d'habitude. Je mets tout le temps mon alarme à 6h, puis tout. Fait que là, je me lève du lit, peut-être à comme 6h30. Mais là, il est comme 7h20. Puis genre, faut que je parte à cette heure-là, puis je suis pas prêt. Fait qu'en tout cas, là, je vais manger. Puis je mets mon petit yogourt, puis je vais manger une bartonde. Puis là, là, la température, la gang, je suis plus capable qu'il fasse pas beau de même. Bye, Théo. 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 Bye
vidéo. Donc c'est ça, la température, la gang. Oh my god. Il faisait tellement beau pis tout. Pis là, le Dan Alva nous a mis ça direct en face pour nous faire chier. Oh my god, que je suis pas down. On dirait qu'on est de retour à l'hiver, man. What the fuck? Oh, regardez ça, mes jeans. On dirait que je me suis pissé dans les culottes, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est pas la pièce là? On dirait du fluorescent. Hey, je peux pas aller à l'école de même. Bon ben ça va être ça. Je pars pour vrai, Théo. Je suis à deux doigts moi de déménager à Los Angeles. Il fait fucking froid, ok la gang, on est en train de geler le cul. J'étais avec Félix. Oh my god. Oh my god! Allez, ça veut pas faire. Oh my god, mais laisse tomber. Moi, j'avais mis mon alarme à 7h. C'est à 6h, je vais te rendre jusqu'à 7h, je vais aller en panique. Fait qu'on marque quoi, hein? On pourrait marquer genre. Genre, voici la présentation de notre équipe qui travaille. Fait que là, je suis revenu chez nous. Puis là, je vais me faire un dîner, je vais me faire un croissant. Je voulais manger un croissant hier, mais finalement, je ne l'ai pas mangé. Au moins, il est déjà dégelé pour aujourd'hui. Ça fait un bout qui me semble que j'ai pas fait de croissant, puis la température, là. Genre, on se croirait legit au mois de janvier, là. C'est tout le temps très démoralisant, je trouve, quand il fait pas beau de même, puis que, genre, ben surtout qu'il faisait fucking beau, puis tout, là. En tout cas. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, pis c'est ça, hein. On pourrait dire, on va arrêter de chialer, mais pas grave. Je vais quand même continuer à chialer, pis ça me fait chier, mais c'est pas grave. Fait que là, je vais me faire mon croissant, je vais dîner, pis moi, je travaille tantôt à 4h. Fait que j'ai encore du travail un petit peu avant pour l'école. J'ai quand même une entrevue qu'il faut que je prépare pour l'événement, pis tout. Fait que je vais faire ça probablement en écoutant des vidéos sur YouTube, Netflix ou bien Les Dragons. Parce que là, dans Les Dragons, je l'ai pas encore écouté cette semaine. Est-ce que je suis le seul qui fait ça? Je pense que le jambon, ok, c'est une des affaires qui m'écœure le plus. En fait, le. Tu sais, quand tu manges, mettons, du jambon à sandwich comme ça, mettons, là. Genre, le jus de jambon, ça m'écœure. Vraiment. Fait que moi, il n'y a aucune chance que je mette ça dans mon croissant, dans mon sandwich ou whatever, juste de même. Genre, je vais tout le temps venir, comme. Pas l'essorer, mais comme. Vous comprenez? Enlever, genre, le juice de surplus parce que ça m'écœure. Puis juste y toucher. Oups, on me voit pas, hein. Mais juste y toucher live, là. C'est parti la gang, je vais écouter mon émission préférée, c'est-à-dire Dans l'œil du dragon. Je vais y aller au dragon. Premièrement, je vais sûrement y aller pour être participant, mais ensuite je vais être un dragon. Et oui, rien de moins. Oh Théo, regardez mon chien. Il était à son lit. Puis là, moi je l'avais abrié avec la petite doudou. Il est resté abrié, le petit gars. Fait que moi je pense que ça va être la dernière journée du vlog. Je me sais pas trop si je vous l'ai dit ce matin, mais je pense que ça va être comme la dernière journée du vlog. Parce que ben là je m'en travaille pis tout. Puis ben dans le fond, on dirait que je manque d'inspiration ces temps-ci. Niveau vlogging, je manque un petit peu aussi de motivation. Je sais pas trop si. Surtout cette semaine là, je trouve, je sais pas trop si c'est à cause de la météo qui est comme pas tremble pis tout, pis qui neige, pis que c'est vraiment normal qu'il neige à cause qu'on est au mois d'avril pis tout là, mais en tout cas, on dirait que je sais pas, je sais comme pas trop quoi filmer, je trouve que mes journées sont blattes, hein, tout au même là, je sais que y en a beaucoup c'est ça les vlogs, pis moi je trouve ça pas plate, mais j'ai peur que vous trouviez ça plate. Fait qu'en tout cas, moi j'avais venu contre le vlog ici là, je m'en vais travailler, je finis à 8h pis tout, fait qu'il y aura pas non plus quelque chose de super palpitant, pis faut vraiment que je parte travailler. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait, hein. Vous savez que ça me fait super plaisir. Et également de me suivre sur Instagram si vous voulez avoir un petit peu plus de contenu. Moi puis Tété en arrière, on vous dit bye puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. We can be